Oh hayo mina, je crois que ça a coupé. C'est Jadina et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une sorte de courrier. Ah, je ne sais pas combien cette fois. Qui me vient de la part de Pangolin. Alors, je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Si elle a une chaîne YouTube, je mettrai sa chaîne YouTube. Voilà. Alors, je vous explique. Il y a Perpète. Hein. Il y a Perpète. Vous savez quoi? Je peux même vous dire quand. C'était vraiment il y a Perpète Lurette. C'était en le 10 mai. Alors, en mai. Donc, en mai, elle m'envoie un message. Elle me dit, voilà, j'avais fait des trucs pour tes dolls. Je sais pas quoi. Je sais plus. C'était il y a longtemps. Voilà. J'avais fait une robe pour Shinka, ton frérot, dans le rendez-vous. Mais du coup, bah, j'y étais pas allée. Donc, on s'était pas vu. Elle n'était pas allée non plus. Enfin, voilà. Du coup, elle traîne chez elle depuis un moment. Bon, je vais pas tout lire les détails. Parce que voilà. Mais et du coup, elle me dit, est-ce que je t'y envoie? Je dis, bah, évidemment, avec plaisir. Donc, elle me l'envoie. Il y a Perpète Lurette une fois de plus. Et en fait ce qui se passe c'est que moi je l'ai reçu à un moment où je me sentais pas bien, donc du coup j'étais pas dans le bon mood pour faire une vidéo d'ouverture et l'ouvrir et tout ça quoi. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais la mettre de côté et je l'ouvrirai quand ça ira plus. Sauf qu'après je me suis dit bah merde, quand ce jour est venu, le jour où ça a été mieux, bah en fait je n'ai pas trouvé je ne savais plus de qui ça venait. Du coup, je me suis dit peut-être que le pseudo est dedans, sauf que je vais pas ouvrir, sinon je vais voir ce qu'il y a. Enfin, j'étais un peu embêtée, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu en me disant, bah, elle va forcément envoyer un message à un moment donné pour me dire, coucou, est-ce que t'as reçu la lettre? Ce n'est pas arrivé. Du coup, hier, j'ai fait une story en mode, bonjour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une lettre, il y a Perpète Lurette. T'as compté le nombre de fois où j'ai dit ce mot Perpète Lurette dans la vidéo. Celui qui arrive à compter le nombre de fois où j'ai dit Perpète Lurette dans cette vidéo gagne ma reconnaissance éternelle. Elle m'a donc enfin hier, elle répond à ma story en disant ah c'est moi qui t'ai envoyé un message, je pensais que la lettre était perdue, je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire que nous allons ouvrir la vidéo, hein, cette intro est beaucoup trop longue. Donc nous allons enfin ouvrir la lettre et il y a l'air d'avoir un dessin de Shinuka, donc j'aime beaucoup. Vous vous rendez compte depuis le temps que cette lettre traîne sur ma dollhouse comme ça? C'est la preuve, je ne me suis pas beaucoup occupée de mes dolls. Oh oui, il y a des petits stickers, c'est trop cool! Parce que vous voyez pas, mais là tout le long de mon lit, à chaque fois que j'ai des stickers, je les colle. Des petits stickers kawaii, en plus, je suis sur un 3D, c'est trop mignon. Tiens, Yumeko. Shinuka. Oh, trop bien. Oh, elle a dessiné Shinuka avec la robe qu'elle a fait. C'est incroyable. Elle a imprimé le truc et tout, mais c'est incroyable. Shinuka, attention, pour enfiler ta robe, je te conseille de retirer les bras de la miss. Attention, pour enfiler la robe, je te conseille de retirer les bras de la miss. Je te donne, j'ai bugué. D'accord, bah pas de soucis. Incroyable. Elle a l'air incroyable. Oh, avec la transparence. En plus, c'est vrai que Shinuka adore les roses. C'est ça qui est fou, c'est que moi, j'aime pas les... Signé Pangolin. C'était donc marqué dedans pendant tout ce temps. J'aurais pu faire ouvrir la lettre à quelqu'un. Voilà, le dessin, il est incroyable. Donc, il va pouvoir finir sur mon mur, vu que je les mets sur mon mur à chaque fois qu'on me fait des dessins qui me plaisent beaucoup. Incroyable, j'adore. Et oui, donc du coup, je disais sur l'idée que Shinuka, je lui ai fait des tatouages de roses, elle a des bijoux de roses, etc. Alors que moi, j'aime pas tout ce qui est fleurs de manière générale. Et je sais pas pourquoi, elle, je l'imaginais bien avec ça, je l'aime bien. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux trouver des tatouages non permanents là, qu'on peut faire sur nous, genre des petits stickers, des petits trucs de rose pour mettre sur ses jambes, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'elle était absolument pas tatouée des jambes, mais j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus tatouée. J'aimerais bien que Shinuka ce soit un peu la meuf super tatouée quoi, alors que pour l'instant la meuf super tatouée c'est Yumeko. Alors je veux aussi que Yumeko soit une meuf super tatouée, mais j'aimerais bien que Shinuka le soit encore plus. Regardez-moi ce petit emballage trop mignon là, je suis en train de tout déchirer, ça c'est
Voilà, bah, Janina, Janina, quoi. Quand j'étais toute petite, mes parents m'ont offert une Betty la Malice. Et en fait, moi, je vois la boîte de la Betty la Malice, du coup, je fais quoi? Je déchire la boîte pour ouvrir la Betty la Malice. Mes parents, ils vont râler et tout, ma mère surtout. Parce qu'en fait, la boîte de la Betty la Malice, c'était une armoire. En carton et tout, mais on pouvait faire le rangement dedans et tout. Du coup, mon père a dû le bricoler pour le... dû la bricoler pour la recoller alors que moi telle une bourrine. Ah, c'est collé. Pourquoi c'était collé? Pourquoi ça s'est collé? C'est toi qui ronronne, Koro? Petit cœur. On entend les chats ronronner à chaque vidéo. Alors ça c'est trop chou. C'est quoi? C'est une sorte de salopette, je sais pas trop. En fait, suivant la taille, je pense que ça va être trop petit pour Yeolume. Mais ça risque d'être trop grand pour Obitsu 11, pour Little. Bah écoute, j'essayerai, parce que c'est vrai que ça irait vachement bien à Tyrion. Les vêtements petit garçon, là, ça irait trop bien à Tyrion. Au pire, si c'est un peu grand, c'est pas trop grave. Les petits garçons, ils s'habillent souvent un peu large. Ensuite, nous avons un petit t-shirt. Oula, alors ça, c'est pareil. Hein. En termes de taille, j'imaginais Yumeko, mais en fait, pas du tout. Elle rentrera jamais là-dedans. Je pense que ça ira parfaitement pour... c'est pas trop décolleté. Non, ça aurait l'air d'aller. Ça ira parfaitement à Face. Ça, j'imagine très bien avec ça. Oh, un petit t-shirt avec marqué Hawaii. Oh non, c'est trop chou! Merde, j'ai failli vous spoiler. J'avais trop envie de dire un truc, mais ça va spoiler, sinon je peux pas, donc je peux pas. Mais il y a moyen que ça aille à quelqu'un, quoi. Pour le coup, ça c'est pareil, je pense que ça ira au Yelume en termes de taille. Et... oh... mais elle est incroyable! Mais elle est incroyable! Mais what? Mais elle est incroyable! Je sais pas pourquoi je sens, il y a une odeur. Mais elle est incroyable! Mais elle est incroyable! Alors est-ce que j'ai dit plus perpète lurette ou incroyable? Non mais elle est incroyable! J'arrive à m'en mettre! Non mais vraiment, même sur le dessin, elle est moins bien faite, hein, je suis désolée. Hein. Elle est incroyable! En fait. Elle est bustier, genre sur le haut, genre en pointe, non, genre là, la couture là, genre incroyable. Mais je vais vous montrer, hein. Ne vous inquiétez pas. Elle est incroyable, et dire qu'elle est là depuis perpète lurette, je fais exprès. Vous ne l'aviez pas deviné. Elle est incroyable. En fait, ce qui est bien, c'est que moi j'aime bien les trucs hyper cintrés, donc je me dis que si jamais c'est pas assez cintré... j'ai juste à mettre un petit serre-taille que j'ai de Chucky. Je vais dire Shiluka Yumeko. Et ça ira très bien. Ou au pire, je vois que le truc là, je peux peut-être le resserrer avec une petite... avec une petite épingle à nourrice. Il est incroyable. Vraiment avec le croisé là. Mais il est, elle est incroyable. Bah écoutez, go changer Shiluka de tenue. Oh, on n'est pas envie. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que elle a un bustier galère à mettre depuis des lustres et que la motivation est proche de zéro. Que le reptile. Mais il est vachement tôt. Bon bah écoutez, c'est magnifique, je vais vous montrer tout ça de près. Parce que vraiment la robe, elle est incroyable. Non mais vous allez être choqués, hein. Vous allez être choqués, je vous jure. Elle est incroyable. Non, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. On va remettre l'autofocus déjà. Touc. Voilà. Et je vais vous montrer, parce qu'on est toujours sur un professionnalisme incroyable avec moi, vous savez bien. Alors par contre, pour zoomer sur du noir, ça va être galère, non? Vous n'allez rien voir. Pourquoi ça ne fait pas la netteté déjà? D'habitude, je me cache les couilles à faire la netteté tout le temps alors que je veux pas. Et là que je veux... regardez comme elle est, mais incroyable. J'ai essayé de vous montrer la lumière, les coutures et tout. Mais elle est incroyable. Au cas où vous n'auriez pas compris. Je la trouve...
Bah, incroyable quoi. Est-ce que j'arriverai à vous mettre le flash dessus pour que vous voyez vraiment les détails? Parce qu'elle est mais incroyable! Oui, alors évidemment, il fait pas la netteté où il faut, ce con. Là, vous avez une belle vue sur mes coussins, quoi. C'est passionnant, non? Va y arriver ou pas? Voilà. Vous avez vu avec la lumière? Elle est folle. Elle est folle! Et du coup, je vous montre les autres vêtements, tant qu'à faire. Nous avons donc cette petite sorte de salopette du coup que je verrai pour mettre peut-être pour Tyrion. Nous avons ce petit t-shirt que je verrai peut-être pour mettre c'est moi ou il fait pas la netteté cet enfoiré là, on va dire enfoiré pour rester poli. Voilà. Ah bah il était à l'envers. Oui, donc voilà, donc je vous remonte la petite salopette. Hop. Et le petit t-shirt, évidemment. La robe, parce qu'elle est incroyable! Et bon, par contre, le noir, voilà quoi. Elle est incroyable. Donc voilà, et le dessin. Trop belle, hein? Trop belle. Voilà, bah du coup, il est temps maintenant peut-être de remercier le cadrage. Bon, on va se remettre là-bas. De te remercier, je sais que tu passeras par là, je suis tendue. Je te remercie beaucoup. Bah du coup, ouais, merci beaucoup. Genre, c'est trop choupinou, franchement, et ça fait trop plaisir. Et la robe, elle est incroyable. Bah voilà, et puis du coup, bah. Si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur Instagram. Bye. Vous la voyez même pas tellement elle est noire. Noire.